Donc bonsoir, c'est Castelia pour la TV Maker Destiny. Je me retrouve accompagné de Evan Fiasco. Donc je vais lui donner le micro dans un instant pour avoir son ressenti sur ce 8e de finale et ainsi que la suite de la compétition. Alors, 8e de finale gagné 7-5 contre Owned. Au début, c'était assez simple. Ensuite, ils se sont bien adaptés. Et je pense que à la fin de la game, qui était un peu serrée sur un 5-5, on s'est bien adapté et ensuite on a clôturé ça 7-5. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions, Evan. Par la même occasion, comment ressens-tu ce quart de finale et la suite de la compétition ? Alors pour les quarts de finale contre Nuxeria, contre qui on a perdu il y a une semaine, je pense que c'est la finale avant l'heure et que si on gagne ce BO3, la suite est très favorable pour nous. Très bien, je te remercie Evan. Je vais vous parler aussi d'Enofab, qui est sponsor de Maker Destiny, qui est une entreprise qui est en partenariat avec des écoles, et Evan va vous faire des précisions là-dessus. Donc si vous êtes étudiant et que vous souhaitez faire vos études à l'étranger, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous donnera des flyers, Enofab et des goodies. Merci à tous d'avoir regardé.